Salut les petits loups, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur la boutique de Fortnite, de Battle Royale et de Sauver le Monde avec le code Monsieur Virtuose, comme c'est écrit sur l'écran. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Eh bien salut à tous ces petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Sauver le Monde. On va découvrir tous ensemble les nouveautés de Morne-la-Vallée 2.0.20.4. Voilà, donc parce qu'il y a eu tellement de mises à jour sur Morne-la-Vallée que j'en ai donné mon chiffre personnel. Alors, il y a eu pas mal de petites nouveautés, dont les missions de l'acte 2, etc. Je vous rappelle qu'avant de terminer les missions de Morne-la-Vallée, j'attends qu'elles soient toutes disponibles, même si je pense qu'elles ne seront pas disponibles avant 2019. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Mais en fait, les villes qu'il y a sur Morne-la-Vallée, en fait, ils les ont complètement changées. Alors, vous vous souvenez un petit peu, toutes les villes se ressemblaient. Surtout pour les villes un peu comme celle-ci, où il y avait, quand ils n'étaient pas forcément accrochés à la Fulguroute. C'était des villes assez basiques, désertiques, avec quasiment que dalle à faire à l'intérieur. Mais depuis cette mise à jour, ils ont complètement refait le design des cartes. Vous pouvez le voir quand vous sélectionnez une mission. Là on peut voir que vu que c'est accroché à la route, ça s'appelle Fulguroute. Là c'est un désert, mais si je vais ici, on peut voir qu'il y a écrit Ville Fantôme. Wouh, Ville Fantôme. Donc, ce qui nous vient au fait que ces cartes en fait ont été complètement modifiées et ça fait extrêmement plaisir. Du coup, on va découvrir tout ça ensemble parce qu'apparemment il y a des parcs d'attractions et tout. Enfin bref, c'est du gros délire. Je suis en compagnie de Merguez et de Starmis. Bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. Salut. Ok. On va se faire, on va se faire un petit détruire les camps, hein. Voilà, on a environ une quinzaine de minutes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. On s'en fout un petit peu de la mission, mais on va juste découvrir un petit peu, et voilà. Ok, donc nous voilà actuellement sur la carte. Alors, déjà, dans un premier temps, on peut remarquer que l'univers a un petit peu changé, le sol a un petit peu changé, il est beaucoup plus désertique et ça fait plus penser à un style western, un peu comme dans le style de Morne-la-Vallée. Déjà, ça, d'un point de vue esthétique, ça fait extrêmement plaisir. Je vais juste baisser le son parce que les carcasses risquent de nous embêter. Hop là. Mais franchement, c'est grave, grave joli. J'espère en tout cas qu'on a choisi la bonne carte parce que sur toutes les cartes, il n'y a pas forcément tout le temps la même chose. De ce que j'ai pu lire dans le patch note, il y a des cimetières, des granges, des villes abandonnées, des villes fantômes, des parcs d'attractions qui ont été rajoutés sur les cartes de Morne-la-Vallée. De quoi bien s'amuser, de quoi se faire de bons petits cache-cache. Mais regardez, rien que ça déjà là, cette ville là. Ah, vous êtes occupés vous deux. Vous êtes occupés, revenez vers moi. Oh, voilà, c'est bon. Revenez. Voilà. La nouvelle ville de... petite ville de Sauver le Monde. Oh là là, mais regardez comment c'est... On est sur la tête de l'autre. Celle-là, elle est encore mieux que tout à l'heure. Hein. Ouais. Ouais, elle est encore mieux que tout à l'heure, là. C'est super. Ah, regardez le bar. C'est super. Ah, vas-y, Roger, bar, viens, on va se boire un petit coup, là. Joël. Allez, viens, on va se boire un petit coup. Oh, c'est magnifique, le pavé. Oh là là là. Ah, le sol, oh, c'est trop, trop... Allez, bon. Merguez, chante-nous une petite merguez. Non, toi. Okay. C'est merguez la merguez bleue. Merguez bleue. Non, mais ouais, c'est vraiment stylé. C'est super joli, c'est une dinguerie. Non, excusez pas tout. Ouais, les carcasses, laissez notre bar. On veut boire notre bière. Bon, t'as défoncé la porte d'entrée. Mais bon, on va rien dire. Mais quelle porte d'entrée? Mais la porte, elle était comme ça, hein. Bah oui. Oui, c'est comme ça la porte, hein. Bon, c'est vrai que physiquement pour fermer le magasin le soir, c'est pas top. Mais bon, voilà. Après, là, c'est l'office de tourisme, on dirait. Ouais, pour on dirait le Big Shot. Ah non, c'est un truc, c'est un café. Ok. Et là, on pourrait dire que c'est la mairie. Mairie qui est dans un seul état. La mairie. Ouais, la mairie. Oula, on va fermer la porte, on est. La mairie, ouais, ça c'est la mairie. Attends, venez, on suit les rails là. Non, c'est pas la mairie, c'est la gare. Parce qu'on a les rails. Ah oui. Ah oui. La oui, gare. T'es sûr? La gare des... Ah oui, bah, oui. Ah oui, en effet, ouais, c'est la gare. Tu ouais, prends tes billets et hop, tu prends ton train. Allez, direction Paris, s'il te plaît. Attends, on va suivre le train parce que là il passe par la grotte. Ah, c'est trop bien fait en vrai.
vrai que c'est trop bien fait. C'est super joli. Comment le train il passe. Bon, après, c'est pas des vrais trains qui passent. Peut-être que dans une future mise à jour, ils vont nous mettre les trains, des vrais trains qui vont passer. Peut-être, hein, sait-on jamais. Mais regardez. C'est beau. Mais on pourrait tournade. On pourrait se faire des cache-cache de ouf là-dedans, là, dans les villes, là, dans les nouvelles villes. Mama. Des cache-cache qu'on peut se faire. Même avec les rails, on peut même se faire des petites courses d'overboard pour changer un petit peu. Ouais. Moi, ça fait longtemps en plus. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a un petit truc sur la gauche là, normalement. Sur la gauche. Ah, oh, une nouvelle ville. Sortie de la grotte vers la gauche. Ah, maintenant il y a encore quelque chose là-bas. Attends, j'ai vu quelque chose là. Là. Vu quelque chose. Ah oui, regarde, il y a un grand bâtiment là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Une carcasse. C'est une sorte de petite ferme, on dirait. Ah, une ferme avec une piscine. C'est une villa encore. C'est une petite villa. Une villa alors. Ouais, c'est une petite villa, ouais. Toute petite, hein. Toute petite villa, même. Sympa. Sympa. Allez, on casse ça. On va aller voir l'autre ville qu'il y a là-bas. En vrai, je vais me répéter plusieurs fois, à mon avis, mais c'est magnifique, en fait, ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vrai que l'univers de Mort-la-Vallée devenait un petit peu répétitif, surtout pour les missions, et c'était relativement chiant. Et là, de savoir que le décor va changer à chaque fois que... qu'on va faire une mission, bah c'est vachement intéressant quoi. Moi en tout cas, ouais, j'adore. Là d'avoir des environnements comme ça, t'imagines, il y a un atlas qui est placé en plein milieu et tout. Enfin, ça donne plus envie de jouer que ce qu'on avait actuellement avant avec une map désertique et plate et qui changeait quasiment jamais quoi. À part trois trous dans le sol, il y avait pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Hein. Bah, c'est vrai. Hein. Ah, mais là, il y a vraiment moyen de se faire des trucs de ouf. Des gros cache-cache, wesh. Ok, oui. Là, on se fait des gros cache-cache. Il y a des passages secrets, sûrement, des endroits. Ouais, il y a moyen de trouver. Il faudrait trouver des passages secrets. Il doit y en avoir, à mon avis. Avec peut-être des choses à l'intérieur. Attends, regarde. Et voilà. Il suffit de demander. Par exemple. Il y a les bonbonnes de gaz en dessous. Hop. Aussi, t'as ce défi là. Non. Mais c'est parce que je le. Bah, s'il y en a qui ont des défis de bonbonnes de gaz. C'est le shérif. Ouais. Petit cachot. Ouais, il y a le cachot là. Wow. Les toilettes, elles sont. Vous êtes encore en bas les... Ouais, parce qu'on a réussi. On a fait un petit trou, on a fait une porte nous-mêmes. Ce serait bien là pour s'évader là. Attends, allez, attends, attention. Bacon. Bim. Voilà. L'eau elle a même pas l'eau. L'eau elle est pas dans le trou. Il y a pas de travers. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème, shérif. Donc là, c'est des toits d'araignée. Là c'est le commissariat, ouais. Ouais, là c'est le commissariat. Ah, c'est le shérif. Ouais, le commissariat, shérif. Ah, c'est cool. C'est vraiment très très beau. Par contre, niveau sécurité, shérif, hein, je vais pas te mentir, mais il y a un petit trou là. Hein. Pas sûr que ce soit normal d'avoir les prisonniers à portée de vue pour tout le monde là. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout. Hein. Ah, ici il y a une grande scène. Tu nous fais un petit concert? À la merguez bleue. C'est la merguez bleue. En plus, t'as la lumière. Merguez bleue. Avec la petite lumière. Mais non. Il y avait la boule à facettes. Excellent. Ok, on continue un petit peu notre parcours. Oh, on n'a pas fait encore tout la map. Ah non, c'est clair qu'on n'a pas encore tout fait. Ah oui, là-bas, on n'a pas encore fait. Oh, des nouvelles caravanes. Wow. Des nouvelles caravanes. C'est la caravane à Alphe. On peut y rentrer, quoi. C'est la caravane à Alphe. Oh non, mais merguez. Laisse-le wheeler, Alphon, s'il te plaît. Seul Jidou comprendra. Seul Jidou pourrait comprendre. Mais laisse-le wheeler, Alphon, s'il te plaît. Regarde, il y a une maison, là. Ouais. Petite maison. Il y a qu'un petit sous-sol. J'arrive. C'est une nouvelle maison aussi, ça. Je crois pas l'avoir déjà vue. Non. Ah non, il est pas dans le VR non plus. Non, ça c'est une nouvelle maison. Hein. Elle a jamais été vue. Enfin, j'ai jamais vu une maison comme ça. Hein. Nouvelle maison, ça c'est sûr. Nouveau design en tout cas. Ça fait plaisir. Y a pas des copier-coller en vrai. Voilà, c'est ça. C'est pas tout le temps du copier-coller comme on le connaît dans les villes ou dans les banlieues des autres villes. Là, c'est vraiment unique en son genre, quoi. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir chaque que maison ça... est unique quasiment. Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner la nuit. On a encore l'autre moitié de la carte à faire.
On a fait la moitié là. Elle est très grande, enfin, elle est bien variée quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On va faire un cache-cache dans toutes les villes différentes. On va se mettre bien, tu vas voir. Vous voulez des vidéos cache-cache, bah vous allez en avoir. Hein. Vous vouliez du sauver le monde ? Eh bah je vous dis que vous allez être servi là. Vous allez être servi, hein. Vous vouliez du sauver le monde, bah c'est pas. On va vous en bouffer jusqu'où vous en avez marre. Là il y a le cimetière. Non, c'est ouais. Le cimetière ça. Avec le gros cachot à la pirate des Caraïbes. Avec le gros cachot à la pirate des Caraïbes. Enfin, je trouve que ça fait pirate des Caraïbes, mais après, chacun son délire. Hein. Oui, oui, non, mais c'est dans le style. Yo! Après, ça. Y'a un trou! Rien à voir dans le... Voilà, allez. Regardez-moi ça. C'est stylé. De ouf. C'est une dinguerie. Regardez avec l'effet de fumée. C'est tombe. Ton cercueil, c'est armé. Ah. Mon cercueil. T'es gentil, toi. Bah, tiens, ça, c'est ta cellule, merguez. Pour avoir tué, okay, bah. C'est ta cellule pour avoir tué Starmis qui est dans le cercueil. Ok, bah je reste. A plus tard. L'effet avec le sorte de petit effet de loin que tu as, ça fait un sorte d'effet de fumée. Ça fait un effet de fumée, c'est trop stylé. Ah, c'est bon. Non, je crois pas qu'il y a des trucs cachés. Hein. On est déjà bien profond là. Hein. On est vachement profond. Ah bah oui, très profond. Trop profond même. Ah, ici. Ah non, c'est une cible. Ah. Ouais, c'est une cellule encore. Qui te ramène ici. Salut. Arrête de danser. Bah allez, on remonte. Alors. Bon. RIP. Oula. Bon, c'est un peu galère au début. Faut comprendre le système pour remonter à chaque fois. Ah. Sauter. Oh, mais t'as un seul. Sauter. Hop, voilà, il faut juste casser ça. Et là, on en revient à la civilisation. Oh, regardez la nuit. Oh, il fait nuit. Bah voilà, tu voulais qu'il fasse nuit. Oh, mais la nuit, c'est moi où la nuit, elle est beaucoup plus jolie, comme ça, qu'avant. Elle est magnifique. La nuit est mélangée avec la tempête. Là, on est d'accord que ça a été amélioré, que c'est beaucoup, beaucoup plus beau là. Oui. C'est net en fait. Bah, avant c'était une fausse nuit presque. Ouais, avec des fausses étoiles. Alors, on dirait vraiment une lumière de lune, tu vois, qui nous éclaire. C'est ça, c'est stylé. Ah. Oh. Ah, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un sorte de fort. C'est étrange. C'est un fort. Attends, j'ai pas mon arme là avec la lampe torche. C'était quoi ça? Ah ouais, ça peut être utile la lampe torche. Je sais plus c'était quelle arme. La lampe torche va enfin servir. C'était quoi comme arme? Tu te rappelles? L'arme avec... Ah c'est bon, c'était le... Non, pas le pompe. Le pompe si, là, mais il y a la fauve aussi avec le camouflage, je crois. Avec le camouflage. L'arme avec le camouflage, tu vois. Mais bon, après, il n'y a pas vraiment besoin de la nuit, on voit très très bien déjà. Merguez, il a des ennuis, c'est bon? Ouais. Là, il y a une caravane. Je crois qu'on a fait d'autres là-bas. Ouais, il me semble bien. Attends, je vais juste vérifier là-bas parce que je vois un truc. Mais il me semble que, ouais, on a déjà tout fait. On a toujours pas trouvé le parc d'attraction, ça commence à me saouler. Ok, donc on vient de relancer une partie, on a retrouvé le parc d'attractions, enfin un semi-parc d'attractions, c'est quand même déjà pas mal. Je dirais plus que c'est une sorte de fête foraine, mais regardez-moi ça, regardez le train. C'est une dinguerie en vrai. J'ai envie d'en faire. Mais carrément, j'aimerais trop qu'ils nous rajoutent un train pour qu'on puisse le faire nous-mêmes en fait. Attends, on va essayer de faire le circuit en overboard. Allez, c'est parti, attention à la descente. C'est parti! Ah non, non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ici, c'est la montée. La descente, elle est là. Ouais. On fait la sensation, nous. On fait les sensations fortes. Ouais. Non, en fait, c'est stylé, là. Oh. Non, mon pouce, que ça. Ouais.
les railler. Et voilà, on a fait un tour complet. Franchement, c'est sympa. C'est pas non plus oufissime. C'est pas oufissime, c'est pas un truc de la mort qui tue. Oh, c'est pas un truc gigantesque non plus. Mais c'est sympa. Ça donne un Johnny. Oui, je sais, il y a un Johnny en pancarte. mais c'est sympa, ça donne envie de rejoindre un petit peu, c'est sympa ce décor. Dommage qu'on puisse pas utiliser un vrai train, je pense que ça aurait pu être sympa. Après c'est vrai qu'on serait sorti un petit peu du contexte de sauver le monde, mais bon, c'est pas grave. Ça reste plutôt intéressant. Donc voilà, on vous a montré un petit peu toutes les nouveautés qu'il y avait sur la carte de sauver le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu. Et nous on vous dit à la prochaine et bye tout le monde. À bientôt. Bye bye.